Le vrai sushi était un luxe réservé à l'élite. La plupart des océans étant devenus radioactifs après la troisième guerre terrienne. Les autres comme moi devaient se contenter du new souch, un mélange de soja et de lichen de l'espace. McCoy, police. Je voudrais te poser quelques questions. Désolé, mon vieux, mais je n'ai pas le temps. Jolie nuit, non? Quand les affaires marchent bien, la nuit est toujours belle. Cette femme, elle n'est jamais venue ici? Non, toutes les gaijins sont pareilles pour vieil homme. Zuben, tu as vu fille? Je la connais pas. Je dois encore aller faire du mélange. De la super cuisine, mon vieux. À plus tard. Tu reconnais ça? Oui, monsieur. Vaut bien vouloir faire faveur, Bobby, distribuer partout dans la police. Ça fait longtemps que ce cuisinier travaille pour toi? Zuben, juste un mois. Très bon cuisinier. Beaucoup recettes new souch. Une vie nouvelle s'attend dans les colonies de l'espace. Qu'est-ce que tu me conseilles ce soir? Cargaison spéciale de taureau, juste arrivée. Je prépare pour vous tout de suite, mais personne d'autre. Impeccable! T'es un prince, oui. Howie dit que vous êtes un très bon cuisinier. Vous pas venir derrière. Air mauvais ici. Non, j'en ai que pour une minute. Vous connaissez cette femme? Non, je sais qui je connais et qui je connais pas. Je la connais pas. Réfléchissez bien. Ouais, peut-être je l'ai vue une fois, à la gare. L'Express du Nord. Du Nord. C'est fermé. Aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est fermé. Rien que de la paperasse sans aucun intérêt. Mais quand on en arrive à faire les poubelles, on devient beaucoup moins exigeant.
À plus tard, oh oui. Une vie nouvelle vous attend dans les colonies de l'espace. T'as du nouveau ? Rien du tout, mon vieux. Reviens plus tard. Ordinateur central et entraînement au tir. Chargement de la base d'indices personnel. Chargement de la base d'indices central. Transfert de la base d'indices terminé. Décrivez-les encore une fois. Il y avait ce Rasta, et un de nos anciens militants est venu. Qui est-ce ? Un japonais, un certain Iso. Pourquoi ne fait-il plus partie de votre groupe ? Notre organisation est pacifiste. Et nous avons des règles, notamment celle qui interdit le port d'armes. Et Iso refusait toujours de laisser son épée de samouraï à l'entrée pendant les meetings. Où est-ce que je peux trouver ce Iso ? Il tient une de ces petites boutiques de prêteurs sur gage au centre-ville. Je peux vous poser une question ? Qui vous finance exactement ? Nous avons de nombreux donateurs anonymes, des gens qui ont des moyens. Par exemple ? Ils sont tellement anonymes que j'ignore moi-même qui ils sont. J'ai presque failli vous croire. Ça fait longtemps que ce cuisinier travaille pour toi. Zuben ? Juste un... Vous connaissez cette femme ? Non, je sais qui je connais et qui je connais pas. Je la connais pas. Réfléchissez bien. Ouais, peut-être je l'ai vue une fois, à la gare, l'Express du Nord. O'Willy Chinatown. J'y avais déjà mangé. O'Willy. Brian avait chopé une intoxication alimentaire chez lui. Il l'avait fait fermer quelques mois. Maintenant, on pouvait toujours y manger à l'œil. Ici Crystal Steel, matricule BR61354. Conduisant l'interrogatoire de Spencer Grigorian, dirigeant de l'ULCER, Union libre des citoyens contre l'esclavage des réplicants. 22 novembre 2019. Une fois de plus, je demande que mon avocat... La ferme, connard ! C'est moi qui pose les questions, donc on sait maintenant que vous n'êtes pas une gueule d'humain. Ne me parlez pas comme ça ! Bon, donc vous n'êtes pas un de ces déchets biomécaniques. Et vous prétendez ne rien savoir sur l'attentat de chez Tyrell. C'est la vérité ! Nous demandons des droits égaux devant la loi pour les réplicants. Nous ne reprochons pas à la Tyrell Corporation de les avoir créés. C'est débile comme logique. Les réplicants sont des êtres vivants. Que ça plaise aux gens ou non, les réplicants contribuent pour beaucoup au bien-être économique de notre culture. Nous n'avons donc pas le droit de les ignorer. Moi, je verrai aucun inconvénient à ce qu'on les liquide tous une bonne fois pour toutes. Vous avez déjà vu cet homme ? Oui, je l'ai déjà vu. Il était présent à la manifestation. Il ne fait pas partie de notre groupement, mais les gens extérieurs sont toujours les bienvenus. Vous avez vu beaucoup de nouvelles têtes ce jour-là ? Pas tellement. Quelques-unes seulement. Décrivez-les-moi. Je ne sais pas si je peux. Ah bon ? Arrêtez l'enregistrement. Ici Crystal Steel, matricule BR61354. J'enquête toujours sur l'explosion de l'usine Tyrell. L'analyse des débris prendra quelques jours. Pour l'instant, il ne semble y avoir aucun lien avec les manifestants. Ils se trouvent être auprès des lieux pour être impliqués dans l'attentat. Pas de modus operandi. L'identité vient de se mettre dessus. Je poursuis mes recherches dans les dossiers de mise en service des réplicants pour voir si des experts en explosifs sont enregistrés. Thank you.
Brian est en congé maladie et t'as emménagé dans son bureau, c'est ça? Tu connais la procédure. Entre tout ça dans l'ordinateur là-haut. Je le lirai plus tard. Ça marche. Dis donc, oh. Dis donc, oh. Ordinateur central et entraînement au tir. T'as du nouveau? Rien du tout, mon vieux. Reviens plus tard. Selon les dernières statistiques du ministère de la Justice, le taux de criminalité dans notre ville a encore augmenté de manière alarmante depuis l'an dernier, avec une hausse massive de 26%. Le gouverneur Kolvig attribue cette hausse à l'augmentation inquiétante du nombre de spéciaux résidant dans notre ville et a promis de définir une nouvelle réglementation pour le service municipal de l'immigration dès le mois prochain. Il y avait des vieux rapports, des mémos, des circulaires périmés. La routine, quoi. J'en tirerai rien de plus.
On raconte que t'as bien mérité ton avancement, McCoy. Ouais, je fais ce que je peux. Continue comme ça, tu feras peut-être une brillante carrière. Il paraît qu'on touche une très bonne retraite. T'as fait le test avant le retrait ? J'ai pas eu besoin. C'est ce qu'on appelle la magie. Je commence à comprendre. Si jamais tu retires un humain, ta carrière est foutue. N'oublie jamais ça. J'ai vérifié chez UNR. Apparemment, tes réplicants sont ceux du massacre de la navette le mois dernier. Ils ont retrouvé la navette ? Elle s'est évanouie dans la nature. Brian pense qu'elle s'est écrasée dans le Keeple. Ils sont nombreux ? Assez nombreux, en tout cas. C'est des Nexus 6, alors fais gaffe. D'accord. Ah. Ah. Votre numéro de code, s'il vous plaît. McCoy, 88F. 88, merci. Tiens, mon bébé, attrape. J'ai vérifié chez UNR. Apparemment, tes réplicants sont ceux du massacre de la navette le mois dernier. Ils ont retrouvé la navette ? Elle s'est évanouie dans la nature. Brian pense qu'elle s'est écrasée dans le Keeple. Zuben était le premier Nexus 6 à qui j'avais affaire. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un désir de vivre extraordinaire. Presque tous les Nexus 3, 4 et 5 que j'avais vus abandonnaient dès qu'ils étaient coincés. Mais avec les 6, c'était une autre paire de manches. Votre numéro de code, s'il vous plaît. T'as du nouveau ? Rien du tout, mon vieux. Reviens plus tard. Chargement de la base d'indices personnels.
Chargement de la base d'indices centrale. Transfert de la base d'indices terminé. Massacre chez Ron Sitter. Il me dit quelque chose. Rez-de-chaussée. Ordinateur central et entraînement au tir. Vous avez appris quelque chose ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Vous avez appris quelque chose ? Rien qui pourrait vous intéresser. Brian est en congé maladie et t'as emménagé dans son bureau, c'est ça ? Tu peux pas savoir à quel point un type peut devenir agréable quand ses hémorroïdes se réveillent. T'as vraiment surpris tout le monde ici, tu sais, fiston. Gaff dit que t'as expédié ce retrait comme un champion. J'ai fait que mon boulot. Ouais, mais fais pas le fier. 2-6, c'est une autre affaire. Ça, je sais. Mais je suis fier de toi, McCoy. Tu peux prendre le reste de la journée, ok ? Merci. La compta est en train de te virer une avance sur ton compte. Combien ? Quelques centaines de chiniens. Quoi t'acheter à bouffer ? On doit garder le reste jusqu'à ce que le labo ait fini l'autopsie. Les paperasses, tu sais bien. Ça devrait prendre un jour ou deux, pas plus. Donc ça va arriver bientôt. T'inquiète pas. Les gars d'en haut tiennent à ce que nos meilleurs flics soient heureux. Tu sais ce que tu vas faire de ce pognon ? J'avais pensé... peut-être un copain pour ma chienne. Laisse tomber. Achète-toi plutôt un truc. Un truc chouette. Quand on a mordu une seule fois dans ce bacon bien juteux, mon vieux, on n'oublie jamais ce goût. Ça fait partie des bonnes choses de la vie. Je te jure, on en veut toujours plus. Ordinateur central, laboratoire, toi. Votre numéro de code, s'il vous plaît. McCoy, 88F. 88, merci. Tiens, mon bébé, attrape. Portrait d'un privé de sommeil.
Salut, c'est le livreur. Pardon ? La Kingston Kitchen. Ah oui. Oh, attendez. Attendez un instant. T'as la même gravité que sur Mars, ici. Oh non ! Elle est à peu près 3 fois moins forte que sur Terre. C'est très agréable. Vous pouvez tourner ce bouton, d'accord ? Quand je vous dirai. Oh, oh. Hey, tu peux faire gaffe à ton rat. Je vous signale que Ricky est un chihuahua pure race. Et c'est un vrai de vrai. Ça marche bien pour vous ici à Babylone. C'est un rasoir. Le vieux Tyrell a eu un regain d'énergie récemment. Oh, il n'arrête pas de parler. Toi, tu bosses aussi dehors ? Je ne vais jamais à l'extérieur, mon chou. C'est très mauvais pour les glandes. Et les Nexus 6, tu sais des trucs sur eux? Je crois que vous devriez partir maintenant. Tu comprends? C'est vachement important pour moi, man. Alors tu vas me dire, pour les Nexus 6, t'as des papiers, des expériences, tout ça? Non, je m'occupe du simulateur de gravité extraterrestre. Dans 1 minute, tu bouffes l'explosif. Et dans 3 minutes, tu t'exploses comme tu t'es jamais explosé. Oh non, je vous jure que je n'ai rien. Sinon, je vous le donnerai. Mon peuple meurt à petit feu. Dis-moi un truc. Allez voir le docteur Tyrell. Dis-moi un truc que je sais pas. Et les concepteurs d'organes, Moradji, Hannibal Chu, Luther et Lance, ils le connaissent beaucoup mieux que moi. Où ils sont? Le secteur génétique. Ils travaillent tous dans le secteur génétique. T'es vraiment qu'une pauvre merde, ma... Non! Pitié, non, pitié! Décrocher. J'espère que t'es pas parti camper avec une bouteille de tequila. Très drôle. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, McCoy. Pas de problème, lieutenant, je suis levé. Qu'est-ce qui se passe? Un des employés de Tyrell s'est retrouvé avec sa cervelle éclatée partout sur le marbre. Dans la tour Tyrell. Dedans? Ouais. Mais on a quand même eu de la chance. Le système de surveillance de Tyrell a enregistré tout le foutoir. Génial. Combien de suspects? Un seul. Je sais pas si c'est lié à l'affaire Hunziter ou pas. La sécurité de Tyrell te donnera le disque quand tu arriveras. Et fais-moi du bon boulot, killer. Tiens, mon bébé, attrape. Votre numéro de code, s'il vous plaît. McCoy, police. Oui, un instant. Vous pouvez me dire où je dois aller? Le labo de gravitation est dans l'aile est, au 66e étage. Voici les images filmées par les caméras de sécurité. On voit assez bien le visage du type. Comment il a fait pour entrer? Il a prétendu qu'il était livreur. Le docteur Eisendouleur passait souvent des commandes. Alors ça m'a pas semblé louche. J'aurais peut-être d'autres questions à vous poser plus tard. À votre service.
Un des employés de Tyrell s'est retrouvé avec sa cervelle éclatée partout sur le marbre. Dans la tour Tyrell, le système de surveillance de Tyrell... Cette boucle d'oreille était en forme d'insecte. J'y connaissais pas grand-chose en bijoux, mais pour moi c'était que de la pacotille. Le genre de merdouille bon marché des boutiques du secteur animalier. Nom de Dieu! J'ai déjà vu pire, mais pas de beaucoup. Vous avez appris quelque chose ? Il passerait à travers une passoire maintenant. Un carton à emporter de la Kingston Kitchen. Je venais de voir plus d'animaux morts en 24 heures qu'au cours de toute ma vie. Et maintenant c'était trois chiens d'un coup. Ça me faisait penser à Maggie. J'avais envie de gerber. Je savais qu'il avait été tué avec un explosif. Pas seulement parce que les murs étaient constellés de taches, mais parce que j'avais retrouvé du fil détonateur dans son crâne. Le tueur était un expert. La charge avait été calculée pour être efficace, mais d'une puissance limitée pour ne pas souffler les murs insonorisés de la chambre de gravitation. Ce qui m'échappait, c'était pourquoi il ne l'avait pas tout simplement buté avec son flingue. Cette boucle d'oreille, elle est à vous ? Bon, elle est peut-être à l'autre flic qui est venu. La poupée avec une clope et des lunettes noires. C'est pas son style. Et si vous lui dites poupée, vous risquez de finir en fauteuil roulant. Oh, c'est dégueulasse! Ce collier de chien porte un nom. Ricky? Je venais de voir plus d'animaux morts en 24 heures qu'au cours de toute ma vie. Et maintenant, c'était trois chiens d'un coup. Ça me faisait penser à Maggie. J'avais envie de gerber. C'était un prospectus pour les séries Nexus, de ceux qu'on trouve par centaines dans les foires et les salons. Celui-ci présentait le nouveau modèle de divertissement, des artistes, utilisés pour distraire les soldats dans les colonies de l'espace. T'es encore à la traîne. Goodza m'a jamais parlé de travailler avec une équipière. Plutôt crever ton beurre. Je suis déjà sur une enquête. Et c'est peut-être lié à la débâcle de Tyrell. Quel est le lien entre nos deux enquêtes? J'ai pas encore recollé tous les morceaux du puzzle. Tu te souviens du massacre de la navette il y a un mois? Gaff m'en a vaguement parlé, oui. Les gueules d'humains ont dû débarquer sur Terre incognito. Et il y a un spécialiste des explosifs parmi eux. C'est la même technique que pour le type de chez Tyrell. Quelle coïncidence. Promis, je t'appelle si j'apprends quelque chose sur ton enquête. Vous connaissiez bien Eason Douleur ? Je vois la plupart des employés le matin ou le soir, mais le vieux Marcus... Docteur Eason Douleur ne quittait pratiquement jamais son laboratoire. Il avait peur de quelqu'un ? Je crois que c'était à cause de l'air à l'extérieur et des microbes. Je l'ai entendu s'en plaindre une fois. Je vois. C'était quoi son job ?
ingénieur en chef du laboratoire de gravitation. Ils font des essais pour voir comment un réplicant se comporte en fonction de la gravité. Enfin, ce genre de truc. Un des autres ingénieurs pourrait vous en dire plus. Personne n'aurait perdu une boucle d'oreille comme celle-ci récemment. Certainement pas des employés, en tout cas. Le patron est très strict sur leur tenue vestimentaire. Mais il disait rien pour cette grande folle d'Eisendouleur. Vous savez ce que c'est. Le règlement de la société s'applique au mortel inférieur. Comment je peux faire pour voir le grand patron? Vous pouvez pas. Sauf si c'est lui qui a envie de vous voir. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ait envie de me voir? Vous pouvez appeler sa secrétaire. Son nom? Là, comme ça, je peux pas vous dire. Ah, d'accord. Je vois le genre. J'aurai peut-être d'autres questions à vous poser plus tard. À votre service. McCoy, police. Vous savez qui vend des insectes par ici? Des insectes? Pourquoi faire? Eux, mauvais compagnons. Mais les poissons, bons compagnons. J'ai tous les poissons pour vous. Poissons bleus, dorades, poissons voiles. Eux, très gentils. Non merci, j'ai déjà un chien chez moi. Poissons aussi bien que chien? Mais mon chien est un vrai chien. Vrai? Vous devoir gagner beaucoup d'argent? Mais revenons plutôt aux insectes. Je suis en service, police. Au bout du secteur animalier, vous voir grand panneau vert. Vous, essayez là-bas. Bonne chance avec chien ami. Que lui garde bonne santé. À lui, elle. C'est votre travail? Ah, le dragon. Un dragon? Si, Anisoptera, mouche dragon, libellule. Elles viennent des marécages d'Amérique du Sud. Vous vendez des bijoux avec des libellules? Des bijoux comme ça, très spéciaux, très rares, Signor. Très chers et sûrement d'une collection plus grande. Il faut beaucoup d'argent pour avoir collection comme ça. J'ai pas les moyens. Vous essayez Hawker Circle, peut-être échanger. Avec de la chance, vous pouvoir trouver. Si ça vient d'une collection, je cherche aussi les autres pièces. Je propose marché à vous. Je trouve d'où vient bijou, libellule. Après, vous achetez quelque chose pour amener à vous, d'accord? Vous, revenir plus tard. D'accord. Vous, faire attention en cherchant les dragons. Seriez-vous intéressé par un serpent, noble ami? Pas aujourd'hui, merci. Dites, c'est un calibre 45 dans votre poche, là? Ou c'est que vous êtes content de me voir? Vous avez de bons yeux? C'est tout ce qui me reste. C'est les seuls organes qui ont survécu aux guerres de Phobos. Ray McCoy, détection des réplicants. Vous êtes un Blade Runner, hein? Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de vous? Je viens de prendre le boulot. Tiens, puisqu'on en parle, David Holden et moi, on est de bons potes, vous savez. Comment qu'il va? On dit qu'il s'en sortira. Cette gueule d'humain doit être sacrément rapide pour avoir réussi à filer entre les pattes de Dave. C'est le meilleur dans ce métier. Il reprendra bientôt du service. Est-ce que vous vendez des armes spatiales? Des fusils Ender, par exemple? Non, j'en ai pas vu depuis des années. J'aimerais bien avoir un Ender, c'est un sacré calibre.
Bonne puissance d'arrêt, cadence de tir correcte. Vous en cherchez un? Ça risque de vous coûter un max, vous savez. Pas vraiment. Quelqu'un a mitraillé la boutique de Ron Sitter avec ça. Ce salopard l'a bien cherché, en tout cas. Comment ça? Ron Sitter prend toujours ses grands airs comme s'il était supérieur à tout le monde. Mais il ferait tout pour le fric, il vendrait n'importe quoi à n'importe qui. Moi, j'ai mes limites. Si c'est louche... dors, pas chez Bullet Bob. Vous connaîtriez pas quelqu'un qui vendrait des fusils Ender? Y a qu'un seul type dans le coin qui peut trafiquer ce genre de truc. C'est le prêteur sur gage au bout de la rue. Il se fait appeler Iso. Mais allez savoir quel est son vrai nom. Iso, hein? On dirait que vous ne l'aimez pas beaucoup. Iso est correct. Il tient le Green Pawn depuis pas mal de temps. Nous sommes concurrents et en bons termes, mais je ne partage pas du tout ses opinions politiques. Ah oui? Des rumeurs, voilà tout ce que c'est. Ouais, j'étais dans les colonies de l'espace, moi aussi, Ray. J'ai fait mon temps, 3 ans et demi, bien tassé. Et moi, je dis que les réplicants n'ont absolument rien à faire sur Terre, ok? C'est vrai. La Terre ne les mérite pas. N'en parlez pas. On doit garder un certain niveau, ici. Vous avez des munitions pour mon flingue? Du premier choix, vous voulez dire? Parce que j'ai entendu dire que les balles en fer blanc de la police sont un peu légères pour le job. Ces derniers temps, oui. Ouais, je sais ce que c'est. Si vous voulez liquider une gueule d'humain, il vous faut un truc plus puissant. Je dois avoir quelques chargeurs dans le coin, si vous avez de quoi payer. D'accord, je le prends. Merci pour tout. Cette boucle d'oreille était en forme d'insecte. Kingston Kitchen. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Ce collier de chien porte un nom. Ricky? Plutôt crevé, tombeur. Je suis déjà sur une enquête. Mais parce que j'avais retrouvé du fil détonateur dans son crâne. Je vois la plupart des employés le matin. Y a qu'un seul type dans le coin qui peut trafiquer ce genre de truc. C'est... Si, Anisoptera, mouche brun. C'était un prospectus pour les séries Nexus. De ceux qu'on trouve par centaines dans les foires et les salons. J'ai une ou deux questions à vous poser, chef. La première tournée est pour moi. Les autres, c'est vous qui payez. Si vous voulez discuter, prenez une entraîneuse. C'est pas la maison de la culture, ici. Entrez, entrez. Maman Isabella va préparer un plat spécial pour enflammer votre palais. McCoy, police, je peux vous poser quelques questions? Les questions, elles veulent toujours des réponses. Ça a l'air bon, ça. Je vous en donne tout de suite. C'est tranchinia, ça va vous donner un bon coup de fouet, ça. Les femmes vont vous adorer. Vous livrez beaucoup pour Marcus Eisendouleur à la Tyrell Corporation? Eisendouleur? Oh, Eisendouleur, oui! Et vous savez, ce type mange comme quatre! Vous avez livré quelque chose récemment? Non, monsieur. On lui livre plus rien depuis un mois. Il a pas payé sa note. Rien depuis un mois? Au moins. Plus rien tant qu'il paiera pas. Vous risquez d'avoir du mal à vous faire payer?
Il est mort. Merci pour tout. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Appartement. McCoy, 88F. 88, merci. Tiens, mon bébé, attrape. Lecture du vidéodisque en cours. Une image exploitable détectée. Image exploitable enregistrée dans Kia. Laboratoire de gravitation Tyrell. Cette boucle d'oreille était en forme d'insecte. J'y connaissais pas grand-chose en bijoux, mais pour moi, c'était que de la pacotille. Le genre de merdouille bon marché des boutiques du secteur animalier. J'en veux une épreuve tout de suite. Ce collier de chien porte un nom. Ricky ? J'en veux une épreuve tout de suite. Thank you.
un carton à emporter de la Kingston Kitchen. J'en veux une épreuve tout de suite. Une bombe. J'en veux une épreuve tout de suite. Cette boucle d'oreille était en forme d'insecte. J'y connaissais pas grand-chose en bijoux, mais pour moi, c'était que de la pacotille. Le genre de merdouille bon marché des boutiques du secteur animalier. Kingston Kitchen. Ce collier de chien porte un nom. Ricky ? Votre numéro de code, s'il vous plaît. Bel homme comme vous, avoir petit ami, bien sûr. Mon ami n'a besoin que d'amour et de nourriture. Très romantique. Quel nom, votre ami ? Maggie. Maggie. Ah ! Maggie, senor. Parfait pour elle, non ? Il est moche, mais vous m'avez convaincu. Hé ! Tu vois pas que tu me gênes, gamin ? Dégage ! Vous avez du nouveau sur les bijoux avec des libellules comme celui que je vous ai montré ? Non, seigneur. Mon ami le demande encore. Si vous revenir plus tard, je saurai peut-être plus. Deux minutes. C'est le temps que j'accorde aux étrangers qui entrent ici en passant. Et vous arrivez à vendre beaucoup de choses comme ça ? Je n'encourage pas les fouineurs. Ce qui m'impressionne, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui n'hésiteront pas à payer pour l'avoir. C'est quoi qui a le plus de valeur ici ? La valeur est une notion relative. Ce qui en a pour vous peut être insignifiant pour moi. Oui, et réciproquement. Mais ici, tout est garanti. Le meilleur choix est le plus authentique de la ville. Je vais vous dire ce que je veux, et je vais peut-être même vous impressionner. Tous mes papiers sont en ordre. Peu importe, je sais pas lire. Votre nom ? Iso. Vous voyez passer beaucoup d'objets de valeur ici ? Du cher, de l'exotique ? Exotique ? C'est-à-dire ? Des bijoux très rares, par exemple, en forme de libellule. Ah, elles étaient si majestueuses. Je m'en souviens dans ma jeunesse. C'est la dernière fois que j'en ai vu.
Je voudrais en savoir plus là-dessus. C'est très important. Vous pouvez m'aider ? Si je vois quelque chose et que vous pouvez payer le prix demandé, pas de problème. Merci mille fois. Est-ce que ce type travaille pour vous ? Non, mais j'aimerais bien. Il est plutôt mignon. Vous êtes sûr que vous ne l'avez jamais vu ? Non, je m'en souviendrai. Merci pour tout. Rez-de-chaussée. Chargement de la base d'indice personnel. Chargement de la base d'indice central. Transfert de la base d'indice terminé. Laboratoire de gravitation Tyrell. Cette boucle d'oreille était en forme d'insecte. J'y connaissais pas grand-chose en bijoux, mais pour moi c'était que de la pacotille. Le genre de merdouille bon marché des boutiques du secteur animalier. Rez-de-chaussée. Excuse-moi pour le dérangement, vieux. Je faisais que passer. C'est dehors que tu devrais être. Le retrait de ces réplicants, ça va pas se faire tout seul. Dommage. Une vague de suicides, ça me faciliterait le boulot. On ne paie pas pour rien, petit. Thank you.
C'est un sacré bordel là-haut. Hein. J'aurais peut-être d'autres questions à vous poser plus tard. À votre service. Quelqu'un avait essayé d'accéder à plusieurs fichiers protégés sur le réseau de Tyrell et avait échoué malgré des dizaines de tentatives. Les ingénieurs de Tyrell avaient pu oublier leur mot de passe. Mais alors pourquoi les gars du labo de gravitation cherchaient-ils à connaître la structure de l'ADN des réplicants et leur date de mise en service ? Eisendouleur avait pris le nom de son chien comme mot de passe. Les gros bonnets de la Tyrell Corporation n'auraient pas apprécié que je fasse une copie de leur fichier. Mais si quelqu'un était allé jusqu'à tuer Eisendouleur pour les obtenir, ils avaient certainement une grande valeur. Rien. Oh, c'est dégueulasse. Quelqu'un avait essayé d'accéder à plusieurs fichiers protégés sur le réseau de Tyrell. Votre numéro de code, s'il vous plaît. McCoy, 88F. 88, merci. Tiens, mon bébé, attrape. Gentil chien. Portrait d'un privé de sommeil.